Alors bonjour Jean, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, je m'appelle Jean Recoura. Et tu peux nous en dire plus sur toi, s'il te plaît? Je fais des fanzines, je dessine un peu tous les jours. Enfin, voilà quoi. J'aime bien dessiner, peindre. D'accord. Et qu'est-ce que c'est tes fanzines et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Ah, c'est vieux. Ça s'appelle vieux parce que on y trouve des dessins spontanés que je fais en rentrant du boulot. Et en fait, Quel boulot? Ce qu'il faut préciser. ouais, je suis agent de service hospitalier et en gériatrie, en habitation, en hébergement pour personnes dépendantes, en EHPAD. Et du coup, comme c'était pas une activité voulue, entre guillemets, où j'ai été choisi, je ne sais pas, par le hasard, quoi. Vous avez qu'à prendre des fanzines pour avoir plus de connaissances là-dessus. Et du coup, voilà, quoi. Et je me suis intéressé à ce milieu-là. Et j'essaie. Du coup, il y a des 3 tonnes de dessins qui sont sortis pour faire juste des fanzines. Je trouvais que le fanzine était le bon médium pour décrire cette situation, en fait. La situation de la personne âgée dans notre société, en gros. Et comment tu travailles pour les fabriquer de manière pratique? Je dessine, je fais des photocopies, je pose de la couleur au feutre, et après je refotocopie, je refais, repose de la couleur au feutre, et ainsi de suite. Chaque exemplaire est unique, parce qu'à chaque fois je modifie à peu près tous les dessins. Comme si c'était une peinture qui avançait, c'est je peins à peu près de la même façon. Ah oui, Il il y y a a un vraiment. sujet, mais Ouais. ça revient par couche comme une impression en fait. Ah oui, c'est vraiment comme tu fais le fanzine, comme tu ferais une toile, par couches successives, et en revenant chaque Oui, fois. en me disant faut retirer des trucs, en remettre, voilà comment ils sont créés plastiquement. Mais le fond, c'est vraiment un dessin spontané, toujours dans l'idée du plus du dessin de presse. C'est pas une idée de beau ou pas beau, c'est vraiment du dessin de presse. D'accord. Et ton autre Dessin titre? d'humeur. Oui, c'est ça, Sinon, ouais. l'autre, c'est plus potache, c'était plus pour. Ouais, comme ça. C'est Murge Mag, c'est une série de dessins qu'on fait avec un pote. On se bourre la gueule, on fait des dessins et ça fait un murge. Ouais. Mais c'est pas un truc que je vais faire dans la durée parce que c'est un choix de vie, c'est un style de vie et c'est très physique, c'est très très dur à tenir dans le temps et cette proposition de vie ne m'intéresse pas forcément. Un peu trop exigeant. C'est trop exigeant, voilà. Pas la force de Bukowski, j'ai pas envie de devenir, c'est déjà fait et c'est énormément de travail. Ça demande trop de volonté, du coup, il y a très peu. Voilà, pour Murge. Et pourquoi tu fais ça? Pour passer le temps. Mais encore. Pour la détente, le plaisir. Tu m'avais dit autre chose tout à Pour passer le temps. C'est vrai.